J'en profite que Katia et Benjamin ils soient pas là, ils sont partis au soleil, à l'île Maurice pour faire le réveillon. Et je me suis dit, tiens, comment ils faisaient Raon pour faire le réveillon, par exemple, pour passer d'une année sur l'autre. Donc j'ai décidé de partir dormir dans la forêt, enfin dans la nature, pour voir ce qu'elle allait vivre comme aventure. Donc je me suis mis dans la peau d'Aaron, dans la peau dans la peau de Raon. Alors j'ai pas triché, hein. J'ai fait un slip avec ce que j'avais. Là, il y a le couteau d'Aaron, mais j'en ai un vrai qui coupe parce que celui-là, il est en plastique. Et donc le collier. Et j'ai pris ça. Alors j'ai une gourde avec de l'ASTI, parce que la gourde, il l'avait inventée, avec une vessie de loutre, je crois. J'ai pris une bougie, parce qu'il avait inventé la bougie aussi. Puis je voulais trouver une peau de bête, mais il n'y en avait plus. Et avec des peaux de zèbre, et vraiment, il tue pas les zèbres. Donc ça, on fera comme si c'est la peau de bête. Là, je vais la mettre parce que déjà, il caille. 31 décembre, ouais. Pour partir à l'aventure. Ça, le livre de Raon, parce que dedans, il y a sûrement des explications quand il trouve pas, si je trouve pas la solution. Voilà. Donc maintenant, il mettait ça sur un caillou. Et puis, ça indiquait la direction où, quand le slip, ça rentre un peu. Il devait avoir des cailloux spéciaux. Parce que là, ça tourne pas bien. En plus, ça glisse. Bon, on va dire que je vais aller par ici. Allez, c'est parti pour avancer. Alors, il suivait pas forcément les chemins. Hein. Ah, ça pique ça. Je vais passer par l'autre côté. Voilà, le soleil s'est couché. Donc il s'est couché par là-bas, c'est l'ouest. Enfin, je sais pas si Raon il savait où c'était, mais il va falloir qu'il fasse un feu. Donc faut qu'il arrive, faut qu'il trouve vite un endroit pour se protéger, pour faire le feu et faire cuire sa nourriture. Et Raon, c'était un chasseur. Et du coup, il repérait les traces pour savoir où est-ce qu'il y avait du gibier. Bon, là, c'est des vaches, mais on pourrait dire que c'était autre chose, un troupeau de bananes. Ça a l'air pas mal là. Là il peut se mettre à l'abri du vent parce que bon, il n'y a pas de vent, mais il y a même des étagères. Bon, c'est pas gagné. Hein. Eh, ça sent le brûler quand même. Faut pas être loin. Ouais, ça prend pas. Hein. Parce que c'est un peu humide aussi. Il devait être content quand ça prenait. Hein. Ouais, c'est parti. Là.
Ça y est. On va pouvoir faire cuire. Eh ben j'ai rien pris, tiens. J'ai pas trop envie de chasser, puis surtout je sais pas comment. Déjà ça c'est pas mal. On va faire un tabouret. Là ça change tout. Déjà ça réchauffe. Hein. Par contre dans les livres, hein, on sait jamais comment il fait pour aller aux toilettes par exemple. À mon avis, il s'essuyait avec des plantes, des feuilles. Ça c'est marqué nulle part. Hein. Ils ont des grandes feuilles, nous c'est l'hiver alors. Avec les feuilles, ça marche. Ah non, ça marche pas très bien en fait. Faudrait que. Je vais essuyer mieux que ça parce que c'est pas. Il n'y a pas à dire, le papier c'est ce qui essuie le mieux en fait. Hein. Je suis pas du bon côté de la fumée en fait. À l'été ça devait être chouette. En même temps l'été il y a des moustiques, c'est pas génial non plus. Là. Ah, je me suis mis trop près du chauffage. Ah, je suis bien là. Là, il pouvait passer l'hiver comme ça. En même temps, il devait faire moins froid à l'époque parce qu'il est toujours en slip. Hein. Je vais me mettre ça au pied. Ah, on n'est pas bien là. 31 décembre dehors, comme Raon. En même temps, Raon, je suis pas sûr qu'il savait quand c'était le 31 décembre. Puis il n'avait pas de famille, il s'en foutait. Il n'y avait pas Noël, tout ça, ça ne devait pas coûter grand-chose à l'époque des fêtes. Il ne faut pas que je fasse fondre mon couteau. Moi. Ah, c'est chaud. Oh, crotte. Là, c'est la queue de mon slip, ça. Moi, je vais rentrer parce que j'ai faim. Parce que Raon, il faisait ça pour pas laisser de traces après. Hop, et ça marche bien. C'est plus facile à éteindre qu'à allumer. Hein. Par contre, ça pue. La clôture, c'est une invention idiote. Par contre, je ne sais plus par où faut que j'aille. Je suis passé par là tout à l'heure. Parce que quand je suis parti, je suis allé vers l'ouest. Enfin, c'est, le soleil il s'est couché à l'ouest, ça j'en suis sûr et certain. Enfin, je sais où il se couche, mais je ne sais pas où il dort par contre. Moi, je vais essayer par là. En plus, j'ai oublié la bougie au campement. Ben, je ne sais plus où je suis en fait là. Et ça, et Raon, il n'avait pas ce problème-là, puisqu'il ne savait pas où il allait. Donc, du coup, c'était facile pour lui. Et moi, j'aimerais bien rentrer à la maison, parce qu'il fait froid. Bon, j'attends que le jour se lève, en essayant de ne pas attraper une pneumonie. Mais bonne année quand même. Bonne année 2014. Il y a quelqu'un? J'ai entendu du bruit. C'est Gaëtan. Je suis perdu, en fait. You. Pas au secours, mais presque, hein.